Est-ce que les voleurs ne vont pas penser à vous ou même s'ils pensent à vous et qu'ils venaient, c'est qu'ils ne pourront pas partir? Il n'y a pas sur celui-là, sauf si je ne te donne pas l'ordre de prendre ça. Si je ne te dis prends, moi-même, je ne te prends, je ne te donne pas ça, impossible. Si cette bouteille. Le noir, quand nous protégeons le corps, il faut penser aussi au lieu que nous vivons, les lieux d'habitants, là où nous habitons. Ok, ok, vos domiciles. Nos domiciles, nos terrains, la maison par exemple, la maison, nos magasins. En tout cas, là où vous restez, le lieu de travail, de commerce. Lorsque vous avez cette bouteille noire, ici aussi, on enterre. On enterre. Ici, c'est à enterrer. Il y a des gens qui ont loué les lieux et ne peuvent pas enterrer. Il suffit seulement d'avoir un petit pot, un pot de fleurs par exemple, ou bien une plastique. Vous mettez du sable, vous mettez dedans, vous remplissez. Lorsque la bouteille noire, cette bouteille noire est dans un champ ou bien un endroit, ça empêche, impossible à quelqu'un de venir voler là. Impossible, si tu veux, il faut essayer. Tu ne peux pas partir. Impossible de voler là. De voler là, se trouve. Dans un lieu, dans un lieu, dans la maison, dans la boutique, ou bien dans un champ, ou bien dans les troupeaux de bœufs, ou bien dans vos poulaillers, vous n'aurez pas de problème de vol. Impossible. Il n'y a pas cet homme-là. Sauf toi-même qui a mis dans le trou. C'est pourquoi je dis à certains, quand ils veulent mettre ça dans le trou, ou bien quand ils veulent mettre ça dans les pots de fleurs, quelqu'un n'a qu'à rester avec eux. Parce que si tu n'es pas là, et si par hasard ça se passe, la personne ne peut pas bouger. Impossible. Est-ce que, parce que ça fait partie certainement des préoccupations des téléspectateurs, est-ce que les voleurs ne vont pas penser à vous ou même s'ils pensent à vous et qu'ils venaient, c'est qu'ils ne pourront pas partir? Il n'y a pas sur celui-là, sauf si je ne te donne pas l'ordre de prendre ça. Si je ne te dis prends, moi-même, je ne te prends, je ne te donne pas ça, impossible. Si cette bouteille est là, non, ce n'est pas question de mon âge. Ça existait depuis le temps de mon vieux. Mon vieux, là où il était, c'est un grand champ. Il y a les bœufs qui dorment par terre. Il y a les moutons, les béliers, les coqs, les poulets géants, des peules. En tout cas, d'abord, là où on était, les motos ne peuvent pas rentrer dans les cases. Là, c'est des petites constructions qu'on fait et on dort dedans. Tous les motos dorment dehors. Mais tu ne pourras pas, tu n'auras pas envie. Tu n'auras pas envie. Tu peux penser quitter ta maison. Tu peux penser à je vais aller voler à tel endroit. Tu peux bien penser, mais tu viens là, impossible. La décision change. La zone te guide à un endroit, d'autres endroits. Soit tu es rendu dedans, c'est la sommeil qui t'attaque. Automatiquement, nous avons arrêté beaucoup de milliers de personnes avec ça. Avec cette bouteille-là. Cette bouteille-là. Tu vas dormir et vomir. Tu t'enroules dans le vomissement, tu ne continues pas à dormir. Jusqu'à ce que le propriétaire vienne te voir. Donc, ce n'est pas une fois, première fois, nous ne pouvons pas donner. Je ne vais même pas permettre les gens d'appeler, de donner. Oui, c'est possible, oui, c'est vrai, non. Je ne vais même pas les témoignages. Faut que venez essayer, vous allez voir.